tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de filmer. Depuis le mois de janvier, j'avais commencé à faire le tournage de cette vidéo, mais Miss Corona est venue et du coup j'ai dû reporter les vlogs. Comme vous avez vu au titre, ça sera une vidéo sur les friperies. Petit contexte, donc moi j'habite à La Réunion. Chez nous les frites, il n'y en a pas beaucoup et c'est quelque chose, je dirais pas nouveau, parce qu'il y a toujours eu des Emmaüs à La Réunion. Quand on parle de frites ici, ça sera souvent les Emmaüs. Moi j'avais déjà l'habitude de faire les frites et j'avais déjà fait les friperies en France, donc j'étais déjà partie à Fripstar, à Kilo Shop je crois, et je me souviens plus de la dernière. Aujourd'hui je voulais un peu vous faire découvrir toutes les friperies qu'il y avait ici à La Réunion. Donc je suis partie dans 3 friperies et je vous ai vlogué tout ça. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, ce sera aussi un petit haul. Donc à chaque fois je vous mettrai des plans de friperies et je vous mettrai ce que j'ai trouvé dans la friperie juste après. Ça sera aussi un haul 100% chemise, donc il y aura du manche longue et du pas manche longue quoi. Donc on commence par la première friperie qui se nomme Alibaba. C'est une friperie qui se situe à Clotilde. Alors il y en a 2 sur l'île. Je suis partie dans la plus petite. C'est une friperie qui est tout en longueur. Les vêtements sont classés par matière et par coupe. Donc si c'est des t-shirts, des vestes, des chemises, tout est bien classé. Je trouve que c'est bien rangé. Pour moi le plus de cette friperie, c'est qu'elle a des cabines d'essayage. Je sais pas si dans toutes les friperies il y a des cabines d'essayage, mais là je trouve que les cabines d'essayage étaient spacieuses. Un bon point pour cette friperie. Pour Alibaba, donc comment ça marche? Tous les mois il y a du réassort et à la fin du mois dans cette friperie tout passe à 5 € je crois, ou à 1 €, je m'en souviens plus. Moi j'ai préféré aller au début du mois pour avoir tout ce qui est réassort, tout ce qui est nouveau. Je paye plus cher, mais en tout cas ça dépasse pas les 10 balles, et je la trouve assez complète. Je trouve qu'elle propose beaucoup de choses et les prix aussi sont très abordables. Dans cette friperie, j'ai trouvé une fameuse chemise à carreaux qui se présente comme ceci. Et je sais pas si vous lisez à la marque, mais c'est une Tommy Hilfiger. Je ne sais même pas si je prononce très bien cette marque. C'est une chemise à manches courtes. À l'intérieur, les coutures sont noires. Donc moi, je la porte nouée. Je l'attache et je la noue autour de ma taille. Sinon, si je veux la porter tout simplement, ben, je mets un petit débardeur blanc. Elle m'a coûté, je vous dis ça tout de suite, et cette chemise, elle m'a coûté 7,50 €, sachant qu'une Tommy Hilfiger, ça commence à peu près autour, aux alentours de 60 €, 70 €. Ça peut aller jusqu'à 100 €. Alors pour moi, c'est 7,50 €, ça les vaut. Vous voyez, donc il y a le petit logo de Tommy qui est juste ici. Le rose, c'est pas vraiment une couleur que j'ai l'habitude de porter, mais je trouve qu'elle me va super bien. Et pour son prix, je trouve que j'ai fait une bonne affaire. On passe à la deuxième friperie. Donc c'est une friperie qui se situe à Saint-Pierre. Elle se nomme les Fripes d'Iris. C'est une friperie aussi qui est tout en longueur. Parfois, les t-shirts sont classés par couleur. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Il y a des ceintures, il y a des perruques, il y a des sacs, il y a beaucoup de jeans, il y a des cravates. Là-bas, je trouve que les chemises, elles sont hyper, hyper, hyper belles. Et récemment, avec les Fripes d'Iris, tu peux revendre tes vêtements et gagner de l'argent. Donc, c'est très bénéfique. C'est une bonne offre. Je crois que les vêtements se vendent par contre au kilo. En ce moment aussi, dans cette friperie, il y a les promotions. Donc, tout est à moins 50. Dans cette friperie, j'ai trouvé 4 chemises, donc je vais vous les présenter. On commence par la première chemise où je ne l'ai pas centrée, je ne sais pas pourquoi, mais cette chemise-là, je l'ai payée 5 € il me semble. Donc c'est une chemise à manches courtes. Toutes mes chemises, pour tous les articles que je vais vous montrer, c'est toujours des chemises que je porte nouées. Ce n'est pas des chemises où j'attache tous les boutons parce que je trouve que ça ne me va pas du tout. Et ça a tendance à me grossir et c'est pas ce que je cherche. Ce qui change dans cette chemise, c'est que vous avez les boutons qui sont juste ici. Dommage que ce n'est pas des boutons qui peuvent resserrer en fait vos bras, mais c'est juste des petits boutons comme ça. Donc soit vous le clipsez ici, soit vous le clipsez là. Mais c'est une très belle chemise. Moi je la vois saumon, je sais pas comment vous la voyez à la caméra. Il y a une petite poche aussi sur le côté et je trouve qu'elle est très discrète parce qu'elle se fond bien dans la couleur de la chemise. Je l'ai achetée avant les soldes dans la friperie, donc c'est pour ça que je l'ai eu pour 5 € et je trouve que pour 5 € c'est donné en tout cas.
Ensuite, on passe à cette superbe chemise jaune. Je vous jure que cette chemise-là, elle me va trop autant. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Elle est en taille 42. C'est une manche longue et il y a une petite poche aussi sur les côtés. Elle fait limite classe s'il n'y avait pas la petite poche là, ici. C'est une très très belle chemise et je l'ai eue pour 4 euros s'il vous plaît. Moi, il y avait une petite tache sur la chemise, mais elle est partie au lavage. Donc avant d'essayer les vêtements aussi, je les ai lavés, j'ai oublié de préciser. En plus, j'ai pris une chemise qui est orange. Elle ressort vraiment super claire à la caméra. C'est une chemise manche longue avec une petite poche ici. Les boutons sont très clairs, sont très nudes. Je ne sais pas si vous voyez, les boutons sont très clairs, très nudes. Cette chemise-là, elle est plus grande que la chemise jaune que je vous ai montrée tout à l'heure. Je trouve aussi que c'est une couleur qui me va très bien au teint. Je l'ai eu pour 4 euros. Moi qui aime vraiment beaucoup les chemises, j'ai vraiment pris de la couleur pour changer. J'ai pris une chemise qui se présente comme ceci. C'est une chemise qui est beige avec des petites rayures horizontales vert. Je sais pas si ça sert à quelque chose de vous dire les tailles. Quand il y a les tailles, je préfère vous les dire. Comme ça, vous voyez un peu comment elle pose sur moi. Elle est très loose. Il y a aussi une poche. Les boutons sont aussi nudes. Elle est super belle, je trouve. Elle m'a aussi coûté 4 euros. Et en fait, ce que j'ai aimé dans la chemise, c'est les poignées. Je sais pas si vous comprenez, mais il y a un espèce de truc là dans les poignées qui resserre votre poignet. Moi, j'ai un poignet hyper fin. Cette chemise aussi, elle vient de Friperie. Je crois qu'elle vient de Emmaüs, si vous vous demandez où je l'ai pris. Je m'égare, mais du coup, ce que je disais, c'est que j'aimais bien les poignets parce qu'il y a comme un espèce de truc qui fait qu'elle se resserre sur vous. Les poignets sont plus resserrés à la fin. Je la porte nouée ou soit ouverte avec un petit débardeur blanc. Et pour finir, la dernière friperie, j'ai fait un classique, donc Emmaüs. C'est le Emmaüs qui se situe à Saint-Denis, pas très loin du Leclerc. Et il y a une boulangerie à côté et aussi une pharmacie. Je vous mettrai en tout cas la petite vidéo de la friperie. Dans cette friperie là, vous pouvez aussi trouver des DVD à l'entrée. C'est aussi classé un petit peu. Donc, et tout ce qui est au début de l'entrée, c'est tout ce qui est objet, etc. Et plus vous avancez dans la friperie, plus vous trouvez les vestes, les manteaux, les pantalons, les robes. Ils vendent aussi de l'argenterie là dans cette fripe, des chaussures, des mangas, des BD, des petits livres et des petits meubles. C'est pas le plus grand Emmaüs, mais je trouve qu'ils proposent beaucoup beaucoup de choses. C'est très complet, je trouve. Dans le Emmaüs que j'ai fait, j'ai trouvé cette chemise là. Elle est un peu beige. J'ai mal fermé les boutons, miskina. Attendez. C'est ma chemise préférée. C'est une chemise qui est toute douce, toute légère. Je ne sais pas si vous voyez un peu la qualité. Elle est de hyper bonne qualité. C'est écrit que c'est une Picaro collection homme en taille 5. Elle est hyper oversize et quand je l'attache, elle est juste parfaite. C'est vraiment mon coup de cœur. Donc elle a aussi une poche sur le côté. Je ne suis pas sûre, donc je vous montre comment elle se présente sur la manche. Je viens de regarder et dites-vous que je l'ai eu pour 1,50€. S'il vous plaît, la qualité de cette chemise, je l'ai eu pour 1,50€. Elle est hyper belle. J'allais vraiment hésiter à la prendre parce qu'elle était hyper grande. Pour 1,50€, je trouve que j'ai fait une bonne affaire. Ensuite, j'ai pris une autre chemise qui est lila. Elle est comme ceci. C'est une chemise... Désolé, mon cintre, il est cassé, miskina. C'est une Yves d'Orsay. Elle est en taille 41-42. C'est une manche courte, encore une fois. Il y a une poche aussi sur la chemise où il y a les initiales Y et D. Je l'ai eu pour 3 euros. J'arrive pas à déchiffrer son écriture. 3,50€. Il me semble que c'est 3,50€. J'arrive pas à défricher.
J'arrive pas à déchiffrer son écriture. Je trouve qu'elle vaut son prix. J'aime beaucoup la nouer à la taille ou soit je la porte ouverte avec un débardeur noir dessus. Mais dites-moi si ce genre de vidéo là vous plaît, parce que moi j'aime beaucoup aller en friperie. Avant je trouvais rien et comme par hasard quand j'ai commencé à trouver quelque chose, je me suis dit pourquoi pas vous filmer tout ça et vous faire découvrir un petit peu les friperies qu'on a chez nous à La Réunion. Si des personnes qui vivent à La Réunion se demandent où trouver des fripes, j'espère qu'ils vont tomber sur cette vidéo là et que j'ai pu les aider. J'ai beaucoup aimé filmer cette vidéo et vous montrer tous les articles que j'ai trouvé. Acheter en fripe, c'est super important parce que faut savoir que l'industrie du textile, c'est aussi une des industries qui pollue le plus au monde. Et quand vous achetez en friperie, vous faites du bien à votre porte-monnaie, mais vous faites aussi du bien à la planète. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Mais elle ressort C'est pas que j'ai peur de me tromper sur la couleur, mais moi je la vois. Je la vois un peu saumon foncé. Pas très loin. Pas très. Maman, Instagua! Cette chemise, je la kiffe. Cette chemise, je la kiffe.